J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Nous sommes aujourd'hui le... On est quel jour? Nous sommes lundi 13... Non. Je sais plus. Le 15 ou un truc comme ça. Bref. Le 15, je crois. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de courrier. Alors... Bon, moi, j'y fais partir vos courriers aujourd'hui pour remerciement de participation au concours Polaroid. Donc, je vous ai fait une ATG. Donc, je vous ai pas mis de petits mots, mais voilà, vous allez voir que c'est moi. Je suis un peu dégoûtée parce que je voulais vous faire des jolies découpes avec la silhouette, d'avoir un poids moindre et pouvoir vous mettre plus de choses. Et au final, ma silhouette n'a pas voulu découper. J'ai dû imprimer des étiquettes. Bon, franchement, c'est pas top. Je suis désolée. Donc, j'espère que je vais réussir à la faire refonctionner. Je ne comprends pas ce qui se passe avec cette machine, elle commence à me saouler, mais cordialement. Donc, à un moment donné, elle va atterrir dans le jardin du voisin. Parce que chaque fois que je vais m'en servir, c'est 2 heures ou 3 heures avant qu'elle veuille fonctionner correctement. Donc là, je vous avoue que j'ai abandonné, ça m'a saoulé. Je vous ai imprimé des étiquettes, mais bon, franchement, j'ai honte. Bon, c'est pas... C'est vraiment pas beau. Voilà, bon, bref. J'espère qu'elle va refonctionner, que je vais trouver au moins une solution pour qu'elle fonctionne chaque fois que j'allume, que je ne doive pas manipuler pendant des heures, quoi. Donc, bref. On se retrouve pour une ouverture de courrier. Donc, aujourd'hui, nous allons ouvrir le courrier de Stéphanie. Donc, Stéphanie numéro 12, Stéphanie C. Alors, de toute façon, elle va reconnaître son envoi. Voilà. Hop. Alors, Stéphanie m'a fait une super... Bon, alors, c'est pas très grave. Il y a les boutons qui se sont découlés. Découlés. Ouh là là. Qui se sont décollés. Je suis fatiguée en fait. J'ai travaillé ce matin. Je suis rentrée à la maison. J'ai fait mon ménage. J'ai pris un bain chaud, pyjama. Et maintenant je vais me caler. C'est dormir un petit peu. Parce que j'ai pas beaucoup dormi en fait. Du coup, je suis un peu fatiguée. Je perds mes mots. Donc il y a un petit strass. Et il y a les deux petits boutons qui se sont décollés ici. Mais c'est pas grave. Je vais les recoller. En tout cas, c'est très très beau. Voilà ce que ça donne avec les petits boutons. C'est une carte Père Noël. Alors, on a, c'est très très beau. Hein. La ceinture avec un papier argenté. Ici, c'est du papier blanc et argenté. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il fait assez sombre. Un joli tampon Joyeux Noël. Et c'est vraiment une très belle carte. Donc, vous l'ouvrez comme ceci. Hop. Alors... je suis ravie de ta participation. Ouais, ben ouais. Ouais, franchement, tu t'en es bien sorti. Ah, c'est trop gentil. T'es adorable. Je te fais plein de gros bisous, moi aussi. Donc, alors, elle a pas trop de matériel de Halloween parce qu'elle vient de commencer le scrap, comme elle me dit. C'est vrai que bah, quand on commence, c'est pas évident. Donc voilà, mais franchement, elle a géré quoi. Rien que la carte, déjà, elle est au top. Franchement, rien que la carte, elle est sublime. Et c'est sympa, coupé comme ça, ça représente un peu la moumoute du Père Noël. Donc je recollerai ça après, il n'y a pas de souci. En collant les timbres derrière le kiss, je recollerai parce qu'on a aussi un petit strass qui s'est décollé ici. Donc, alors, attendez. Ah oui, ça, j'ai trouvé. Moi, je trouve ça très sympa. Alors, le fond, je ne sais pas comment tu l'as fait. Il faudra que tu m'expliques parce que c'est très joli. C'était cet effet orangé qu'il y a par-dessus. J'aime beaucoup. Là, les tampons pour faire un cimetière comme ça, je trouve que c'est super bien réussi.
Les petits traits là-devant, ça donne un effet toile d'araignée un peu, que je trouve très très sympa. Ouais, j'aime beaucoup l'histoire là des pierres tombales comme ça. Franchement, c'est top. Et ton kiss numéro 2. Alors attendez, je vous montre. Trouvez le kiss. Trouvez le kiss. Hop. T'as été gentil quand même, tu l'as pas caché ce que. Voilà. Je sais pas pourquoi je suis si basse que ça. On va se remonter un peu. Donc voilà, il est très très beau. Et j'aime beaucoup l'arrière imprimé comme ça. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait ou si tu l'as trouvé triplé. Ouh là là! Si tu l'as trouvé tout près. Mais je trouve ça très sympa. Je ne peux pas vous montrer parce que. Bon, peut-être en cachant ces informations. Mais en fait, elle a fait un fond qu'elle a imprimé tout ce qu'elle a. Voilà, toutes ses. Ses coordonnées, etc. Comme ça, elle le fait une fois en fait. Je trouve ça très sympa. Hein. Si c'est toi qui l'as fait, c'est super bien fait. C'est une très bonne idée. Ça existe déjà pour les ATC, les ATG, pour les KISS. J'avais pas encore vu. Franchement, c'est sympa. Donc, on va laisser l'enveloppe avec pour coller les timbres derrière le KISS. Ouais. Ah, pas que je perde les boutons. Ensuite, j'ai reçu. J'ai reçu le kiss de Kiki. Alors, Kiki, c'est elle qui a créé les kiss. On va le. Là, j'ai reçu, c'est ce que j'ai reçu tout de suite maintenant. Hop. Donc, Kiki. Numéro 13. Kiki, je me rappelle jamais le nom de sa chaîne. Elle va nous le dire de toute façon. Non, ah oui, si, Kiki Création, voilà. Moi, je cherche toujours le nom. Quand je cherche sa chaîne, je cherche toujours Kiki avec son nom de famille. Mais non, Kiki Création 17. Voilà. Ah ben elle aussi elle a fait son fond tout près, c'est bien ça. Au moins vous ne retapez pas 1000 fois les mêmes. Oh c'est beau ça. Alors là le fond c'est du plastique qu'elle a embossé. Du rhodoïde, je pense qu'elle a embossé. J'ai jamais essayé d'embosser du rhodoïde, moi. C'est joli. Là, le fond, elle a mis un papier en fait, le fond, donc le papier marron, et par-dessus, elle a collé comme du rhodoïde, mais embossé, on dirait. Donc, je pense que vous voyez pas très bien la caméra, mais et ça, c'est trop chou. J'adore. Il est trop beau. J'aime beaucoup. Et on va. Je vais vous montrer son kiss. Ah, j'ai trouvé le kiss. Alors là, je vous le montre d'abord. Moi, j'aime beaucoup le fond. C'est super beau. Je sais pas comment tu as fait cet effet. C'est vraiment très beau. Alors, la toile d'araignée, est-ce que c'est toi qui l'as dessinée ou c'est un tampon? On n'arrive pas à voir tellement c'est bien fait. Non, je pense que c'est. Je pense que c'est un tampon. En tout cas, c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. Des bonbons ou un sort. Alors, je vous montre de près, très près, que vous voyez si vous trouvez le kiss. Hop, j'aime beaucoup ces découpes. Elles sont très jolies. Voilà. Un bonbon. Non, des bonbons ou un sort. C'est beau, même l'écriture, j'aime beaucoup l'écriture que tu as utilisée. Je sais pas si c'est un tampon, si c'est quelque chose que tu as imprimé, mais c'est très sympa. Ouais. J'aime beaucoup.
Franchement. Attends, je vais plutôt marquer ton. Oh, je sais pas pourquoi j'ai parti sur Christine, moi. C'est pas du tout Christine. Hop là. Donc c'est Kiki numéro 13. Voilà. Donc, et sa chaîne, c'est Kiki Création 17. Alors, je vais laisser tout ensemble. Oh, ils sont beaux ces timbres. Ce sont des fleurs. Et là, j'ai pas vu sur celui-ci, c'était cascade des tufs et passage du. Je vois pas, il y a l'allitération dessus. C'est des paysages, une belle cascade. Et chez Kiki, ce sont des petites fleurs. On voit rien, mais du lilas et des tournesols et anémones. C'est très beau. Et ensuite, j'ai reçu une autre lettre, mais là, c'est pas du concours. C'est l'échange des ATC 4 saisons que j'ai fait avec une abonnée donc, qui m'a envoyé un message sur Facebook pour échanger avec moi. Donc, je lui ai envoyé mes 4 ATC 4 saisons et elle m'a envoyé les 4 siennes. Alors. On va faire l'été. Alors, attends. Comme premier mes ATC. Voilà. Oui, oui, oui. Ok, il n'y a pas de souci, Corinne. Je t'enverrai le mail. Donc, saison été. Alors, il y a une petite mini. Alors, voilà. Elle a fait son fond elle-même. Là, on voit que c'est du. Je pense que c'est des feutres métalliques. Et elle a collé des petits stickers. Tout simple, très joli, très sympathique. Voilà. Ensuite, on va trouver le printemps. Ah, sympa ça aussi. Le printemps. Le printemps, elle nous a mis un petit fond papier, une branche d'arbre, un petit oiseau, des fleurs, des papillons. Été, printemps, en automne. En automne, nous avons des pommes de pin, des petits lapins, des feuilles, des pommes. Enfin, ça représente l'automne. Hein. Et l'hiver, alors, nous avons une jolie poinsettia, des petits flocons, voilà. Elle a mis plein de choses qui représentent les saisons de chaque ATC, quoi. Voilà. C'est très mignon. J'aime beaucoup. Je te remercie, Corinne. Je suis très contente d'avoir fait cet échange avec toi. Le mien est parti aujourd'hui. Donc, tu vas le recevoir. Nous sommes lundi. Donc, dans la semaine, quoi. J'espère que ça ne va pas trop traîner. Voilà. Eh bien, ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous allez trouver tous les petits kisses et que ça vous donnera des idées aussi, comme moi, hein, les cartes, les kisses. C'est vrai que ça, il y a des choses qu'on n'aurait pas pensé, comme là, le plastique en fond sur la carte embossée, la carte de Père Noël. Je trouve ça vraiment très sympathique, très joli, très mignon. Donc, je suis très contente. Donc, numéro 12, numéro 13. Numéro 12, Stéphanie. Numéro 13, Kiki. Donc, voilà. Je vous fais à tous de très, très gros bisous. Et je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. Bye, bye.